presque envie d'essayer de voir. Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi qui me nourris. On va baisser Bruel, hein. On va lui fermer sa bouille. Merci. Bah écoutez, moi ça va. J'ai peu de temps, alors on va y aller dans le bruit parce que je vous raconte ma vie, sinon ça va vous manquer. À 11h, mon fils vient me chercher pour aller chez lui, rejoindre ma fille, mon gendre, on va dire, mes petits-enfants. Nous déjeunons ensemble avant qu'il ne parte. Bon, ma fille est restée une semaine, elle n'a pas trouvé un instant pour venir voir. Oui, donc je suis en colère. Ouais. Donc j'essaierai d'être détendue, hein. De sourire, vous savez, sourire, toujours sourire. C'est... Mais bon, au bout d'un moment, on verra que ça pète, hein, quand même. Hein. Bon, bref. Aujourd'hui, vous aurez vu dans le titre, c'est un hall Yves Rocher et parapharmacie. Et on va donc commencer par la parapharmacie. Où je suis allée pour mon pied. Vous savez, j'ai des problèmes avec mon pied gauche. J'ai toujours des problèmes avec ma jambe gauche, mais avec mon pied gauche, particulièrement en ce moment, il me brûle atrocement. On dirait que je marche sur des braises quand je marche. Je vous assure, je n'exagère pas. Non, non. Alors, sont-ce des douleurs neuropathiques, si vous connaissez, après une opération ou après un problème de paralysie, on peut avoir des douleurs neuropathiques dans les extrémités, c'est-à-dire ce sont les extrémités, vous les connaissez, je vais dire ce sont les mains et les pieds, voire autre chose. Hein. Ah non, c'est pour rire. Ah. Bon, moi en l'occurrence, c'est dans le pied gauche, ça a toujours été. À l'hôpital, c'était une torture. J'ai eu des gouttes pendant longtemps, mais c'est des gouttes de je sais pas quoi, de toute façon je pourrais pas vous le dire, j'aurais même pas le droit, qui sont délivrées seulement par les neurologues parce que c'est considéré comme de la drogue. Oui monsieur, oui madame, je me suis droguée pendant une certaine période. Vous savez pas tout de moi, hein. Mais je rigole. Droguée moi alors, si en plus je me drogue, ah ben dans ce cas-là, je t'explique même pas la flèche que ça va être dans le quartier. Bref, donc je suis allée à la parapharmacie pour mon pied pour trouver quelque chose de plus efficace que je regarde derrière parce qu'elle est derrière, que le bariéderme que je mettais en attendant d'avoir autre chose. J'avais plus rien d'autre, j'avais plus cicalfate, plus rien. J'allais rentrer déjà, non, quand même pas déjà. Bref, donc je trouve que la pharmacienne m'a pas très bien renseignée. C'était pas mon pharmacien. Parce que, donc bref, elle m'a donné. Bon, c'est sans ordonnance, donc je peux vous en causer. Vous savez que sur YouTube, normalement, on n'a pas le droit de parler de médicaments, ce qui me paraît parfaitement logique. Je ne suis pas médecin, on ne va pas recommander des médicaments, pas plus que des pilules pour maigrir d'ailleurs. Non, non, pas moi, je n'ai pas besoin de maigrir d'abord. Ça, c'était une blague. Mais ce qui n'est pas une blague, c'est qu'on n'a pas le droit de parler de choses que l'on ne connaît pas en tant que professionnel. Bon, moi, ça me paraît tomber sous le sens. A priori, ce n'est pas le cas de tout le monde. Non, je ne vise personne. Non, en plus, en particulier, je ne vise personne. Mais on voit tellement de choses sur YouTube. Oh, on voit tellement de choses, ma pauvre dame. Bon, mon rouge à lèvres est extrêmement moche. On fait des lèvres de... Non, je ne dirais pas. Sur YouTube, on se doit d'être correct. Oui, donc, elle m'a prescrit... Enfin, non, elle m'a conseillé du cicaléine. Baume main, doigt, et puis elle m'a dit pied bien sûr, puis ça va pour les mains, ça va pour les pieds. Quoique je trouve pas ça si judicieux, parce qu'en fait les pieds sont quand même beaucoup plus sollicités. Enfin pour ma part pas trop, mais... Bref, parce que oui, j'ai une espèce de une sorte de crevasse. J'ai pas les pieds tant carrelés, j'allais dire, mais non, tant. Oh. Avec autant de cornes que ça, non, non, justement, je pense que ma peau est trop tendre pour l'agression sur mon pied gauche. Donc, je me tartine de crème, je mets une soquette, je suis chouette, avec une jolie robe et une soquette au pied. Bon, là, en l'occurrence, j'ai mis une chaussette, vous savez, les chaussettes basses qui vont dans les baskets, parce qu'aujourd'hui, je vais mettre des baskets, parce que mon fils habite au deuxième sans ascenseur, donc je ne vais pas mettre des sandales pour monter, pour descendre, c'est trop dangereux. Donc je suis obligée de mettre des petites baskets en toile, mais c'est celles-ci qui m'ont irrité le pied. Irrité le pied. Donc je vais mettre une soquette, c'est des trucs qui sont censés tenir tout seuls, qui moi tiennent absolument pas.
Donc je vais mettre ça pendant une demi-heure dans ma chaussure. Au bout d'une demi-heure, il n'y aura plus de socket. C'est pas grave, on s'en fout, hein. Ouais. Donc je mets ça, qui est plutôt traitant, on va dire. Voilà. Très intéressant, n'est-ce pas? Oui, non mais, moi, vous savez, mes hauts sont toujours très intéressants. Et puis elle m'a conseillé la Cica Bio Crème, qui est en fait, je voulais du Cica Fat. Et la Cica Bio Crème est 1 euro moins cher. Alors j'ai pris celle-ci, oui monsieur, oui madame, j'ai pris la moins chère. C'est un soin réparateur apaisant, ressort, soulage, assainit, peau abîmée et irritée. Ça fait 2 jours que je la mets. Hier soir ça allait à peu près. En fait, c'est en fin de journée. Quand je piétine à la cuisine, faire la bouffe tense. Bon, c'est fini pour la parapharmacie. Ça, c'était très intéressant. Maintenant, passons chez Yves Rocher, où j'avais accumulé 3 cartes. Sauf que, bien sûr, une n'était plus valable, je le savais, mais j'ai tenté. Parce que comme il avait été fermé, mon Yves Rocher, jusqu'au 31 juillet, et que la carte s'arrêtait le 21 juillet, et nous, on ne pouvait pas aller en ville parce qu'il faut se garer loin, c'est très galère. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Je me suis dit, qui ne tente rien? On est d'accord, mais rien. Bon, bref, donc j'avais 2 cartes, toutes à 50%. Bon, rien d'exceptionnel, hein, comme d'habitude. Mais bon, ça me fait des... Ah oui, d'ailleurs, ça me fait des points. Finalement, maintenant, ça fait des points pour rien. Parce que les points que tu cumules jusqu'au 15 août, vont disparaître 15 août, tu ne pourras même pas les récupérer pour la nouvelle version de la carte. Ils changent de version de fidélité. Alors la fille ne savait pas exactement ce que ça serait, mais qu'en tout cas, les points ne seraient pas récupérables. Donc là, pour mes achats, j'ai récupéré 200 points. Ben, les 200 points, ils sont dans le vent. C'est con, hein. Je dis, mais les 200, là, mettez-les sur ce que j'ai déjà acquis. À qui? À quoi? À moi? Oui, bon, ça va, Florence, on le sait, hein. Coucou, Lulu. Oui, je fais des apartés. J'ai le droit, c'est ma chaîne. Merci, mamie Gazelle. Bref, donc, j'ai pris. D'ailleurs, je me suis dit, oui. C'est un après-soleil. After Sun, donc, solaire peau parfaite. C'est un soin sublimant anti-âge. En fait, je n'ai même pas bien regardé ce que c'était. Intensément hydratée, la peau sera repulpée et sera repulpée et réparée. Les rides paraissent comblées. J'ai pas de rides. Est-ce que ça peut combler autre chose éventuellement? Je veux dire, un autre manque, une autre blessure, une autre faille. Ça serait bien s'il y avait une crème pour combler les failles intérieures, vous croyez pas? Ben oui, hein. Je trouve que ce serait quand même beaucoup plus intéressant que des crèmes combler les rides. Les rides qui ne comblent rien du tout, à part qu'ils décomblent, donc qui comblent les caisses des sociétés, mais qui défoncent son portefeuille. Ton portefeuille. Bref, et qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Le teint est unifié, rayonnant de jeunesse. Bon, j'ai pris ça. D'après soleil, pourquoi pas? Pourquoi pas, au cas où j'aille au soleil. C'est peut-être prévu, mais j'en reparlerai en temps et en heure. Parce que depuis le temps qu'on me promet vents et monts et merveilles, contre vents et marées, c'est beaucoup, hein, cette phrase est longue et lourde. Hein. Donc, je ne sais pas d'où nous partirons, mais nous avons l'espoir de partir la première semaine de septembre. Mais je vous en reparlerai. Pardon, mon gars. Bon, bref, voilà, donc j'ai pris ça. Je vais vous dire le prix, j'ai jeté le ticket. En arrivant. Pauvre tâche que tu es. Donc, pourquoi pas, moi aussi. Ensuite, j'ai pris. Toujours mon pied, hein. Enfin, pour mes pieds en l'occurrence, une crème pied absorption express à la lavande, nutrition des pieds pour les pieds secs. Oui, mais bon, je ne peux pas tout mettre sur le pied en même temps, donc il faudrait mettre des crèmes sur le pied gauche et une autre crème sur le pied droit. C'est bon, j'ai que ça à faire, on est d'accord, mais bon. Donc, très bien, ça me servira quand mon pied ira mieux. Voilà,
Donc ça, c'est intéressant. Bon, en même temps, j'aime bien Yves Rocher, mais je ne suis pas sûre de l'efficacité. Est-ce que c'est parce que ça traîne une espèce d'image de vieille marque un peu ringarde? Je pense. Donc avant de causer, il faut essayer. Bon, pour l'instant, j'ai toujours essayé quasiment que des produits de maquillage, je pense. Qui font pas mal. Oui, parce que je voulais un. Oula! M'a fait peur. Je me suis fait peur moi-même. Je voulais un vernis blanc parce que le mien est en fin de vie, donc commence à patouiller. Alors, c'est extrêmement compliqué. Je regarde là et en même temps, je repense à un truc. Bref. Bah, dis donc, c'est le seul qui n'avait plus. Vous voulez autre chose? Bah, non, non, je veux du vernis blanc. Du vernis blanc, donc un autre, ça ne me plaît pas. Oh, un petit rose pâle. Non, il y a du blanc. Bon, il n'y en a pas. Ben, tant pis. Tant pis. Mais et après, j'ai eu un cadeau avec un vernis, ben, qui malheureusement n'est pas blanc. Et un vernis que j'ai déjà, donc que j'ai gardé bien au frais pour vous l'offrir à l'occasion. Alors ça, par contre, je voulais aussi. Ça, je suis allée aussi pour ça. C'est un stylo, bon, c'est tout emballé encore. Un stylo dissolvant, parce que moi, quand je fais mes ongles, encore. Arriver à faire ma main gauche à peu près, puisque je le fais évidemment avec ma main droite. Mais quand je dois faire ma main droite avec ma main gauche, qui est déjà difficile pour n'importe qui, à ses deux mains valides, moi avec une main qui tremblote et qui n'est pas du tout spontanée, pour faire ma main droite en général, donc du coup la main droite est toujours un peu ratée. Et donc comme j'en ai marre de prendre un pinceau que je trempe dans les solvants, surtout que la dernière fois, j'ai pris, là vous faites rien, j'ai pris, enfin, c'est pas rigolo en plus, j'ai pris un pinceau à peinture, vous voyez, donc avec le manche bleu en peinture, et à force de le tremper dedans, la peinture, j'avais les doigts tout bleus, la peinture s'est détachée, j'avais les doigts à l'intérieur là tout bleu, donc il fallait que je me nettoie, j'en avais de partout, c'était magnifique, j'avais des traces de blanc sur les doigts et du bleu à l'intérieur, ouais, non, mais c'est super chouette. Donc, je me suis résolue à acheter. J'en avais déjà acheté un il y a très longtemps. J'avais pas aimé, je crois que ça marchait pas. Je retente? Bah, tiens. Oui, ça, c'est cadeau, un des cadeaux de merde. Ah, je me suis décidée, je n'en avais jamais acheté, à acheter une éponge Conjac. Moi, j'ai pris la noire, donc la purifiante. À la place d'un gommage, peut-être que c'est pas mal. Mais il ne faudra pas que j'aille comme une brutasse, comme d'habitude. Parce que je m'arrache à la peau du visage. Donc, je me suis dit, Flo, tu iras avec délicatesse, rien n'est ouvert. Ah, ça s'appelle un haul en bonne et due forme chez les youtubeuses à l'ancienne. Bon, j'en aurais besoin, j'aurais pris. Ensuite, je crois qu'on arrive sur les cadeaux. Ouais, plus sûr même. Absolument. Alors, en cadeau, j'ai eu. Attendez, attendez, il manque un truc d'ailleurs. Tiens, ah ben non, il est là. Il y avait, ça c'est quoi? Ça c'est le cadeau de. Ah oui, le super cadeau. Vous savez sur les cartes, super cadeau. Valeur 15 euros. Bon, déjà tu dis bon, la valeur n'est pas marquée dessus, mais elle me l'a dit. Donc déjà ça me fait sourire. Oui, je vous jure, j'ai souri, il m'en fiche. Je fais, ah oui, d'accord, super cadeau. Il dit, oui madame, vous prenez ou pas? Ben, je le prends, Tartignol. Alors, on avait le choix entre un lait pour le corps, j'en ai plein, et j'utilise peu, parce que ça me saoule de me barbouiller le corps. Moi, la crème me tient chaud, donc moi j'en mets une de sel. Ou un mascara. Mascara, j'en ai besoin, j'en ai plein. Mais j'ai pris le mascara. C'est le mascara 360 degrés. Oui, 360 degrés. Il fait chaud, 360 degrés. Que je laisserai également emballer pour un cadeau. Soit pour un petit plus quand j'envoie un livre ou un truc dans le genre. Oui, ça ne m'aura pas coûté cher, je sais. Et alors, je vais laisser dans moi, dans mes affaires, pas mieux de le donner? Ensuite, il y avait comme cadeau de. Ça, je n'en avais besoin. Ça, j'en avais besoin. Ça me plaisait. J'avais comme cadeau pour un achat ou je sais pas quoi. Il y avait une trousse de pinceau. Moi, je n'ai pas regardé les dimensions, je ne regarde jamais. Donc, c'est une trousse de mini pinceau. Moi, je veux bien de gros pinceaux. J'en ai pas besoin, j'en ai plein. Mais pour en changer certains, que je ne veux pas acheter. Donc, pour l'instant, je suis toujours les vieux qui perdent un poil par-ci, un poil par-là.
Mais j'en ai eu tellement passé un temps que je pense que j'en ai encore qui peut-être ne sont pas utilisés. Donc finalement, une petite pochette tout à fait mémé, hein, exotique. C'est exotique la pochette. Non, pas du tout. Oh non, ça jure. Voilà, bon, vous la connaissez tous, je pense. Une pochette blanche, crème, avec des feuilles de palme, des feuilles de je sais pas quoi, des fleurs. Je pense qu'il y a des fleurs perroquets, enfin je sais pas exactement, peu importe, donc c'est là. Et dedans, des mini pinceaux. Et donc ça, c'est bien pour partir en vacances. Parce qu'en voyage, comme certaines youtubeuses qui partent tout le temps, ça n'est pas mon cas. Vous voyez, encore l'étiquette. Ben, je vous dis, il n'y a rien à enlever. Thank you. Ah ben, de rien. Et... C'est quoi, ça, on dirait du sang. Oh, mon Dieu, je saigne la paume. Bon, voilà, c'est un cadeau. Autre cadeau que j'ai eu. Non, ben ça, attendez, perdu le cadeau. Ben, c'est le rêve ou quoi? Non, mais je fais une truffe, moi. Voilà, ah oui. Une gelée exfoliante éclat. Hydra végétal. Pourquoi pas? J'en ai pas réellement besoin. C'est un cadeau. Je prends le cadeau. Si je regarderai. Si j'en ai d'avance, d'ouvert, en gelée, je pense pas. Je ne l'utiliserai pas. Et dans ce cas, je la garderai bien fermée. À offrir. Bah écoute, mon gars, l'autre truc, ah, j'ai fait des taches sur la couette, tu me diras, c'est pas grave, quand on en est. Comme je mets des crèmes sur mon pied, et qu'on ne se met pas forcément sous la couette, c'est chaud, je mets les pieds sur la couette rabattue au bout du lit, j'ai fait ces traces sur la couette, mon gars. Mais c'est anglais, pas grave. Donc, il y a aussi en cadeau un vernis Yves Rocher. J'aime beaucoup les vernis Yves Rocher. Franchement, ils ont un pinceau assez large. Ils sont assez épais, mais pas trop. Et parfois, suivant l'opacité du vernis, tu peux en mettre qu'une couche. Ce que je ne fais jamais, parce que comme je rate maison, je suis obligée d'en mettre une deuxième couche. Bref, c'est une très très belle couleur, sauf que je l'ai déjà. C'est le Capucine, qui est un... Attendez, mamie, il voit pas bien. Un rose orangé. C'est une très jolie couleur, j'en ai déjà mis plusieurs fois, vous avez dû me voir avec, si vous me regardez tout le temps. Moi, c'est ça. C'est idiot, parce qu'en plus, ça fait coup de poule faisane. On va dire coup de dinde, coup de poule faisane, c'est plus frais, c'est plus jeune. Il est très très bien. Je le garde de côté sans ouvrir. Ah, surtout ne pas ouvrir les vernis si vous n'en avez pas besoin. Surtout pas. C'est comme les mascaras d'ailleurs. Et puis je crois qu'on arrive au bout. Ah oui, et bien alors donc. Elle me dit, ah mais vous êtes arrivé à 1500 points. Vous pouvez choisir quelque chose. Je lui dis, oui, quoi. Elle me dit, là, dans les deux dernières, des deux corbeilles derrière. Que de la merde. Je lui dis, mais il n'y a que ça. Il dit, il n'y a pas grand chose. Elle me dit, si, regardez, vous avez plein de choses. Il dit, oui. Bon, maintenant, j'ai pris le seul truc qui éventuellement. C'est moche, c'est lèvre. Ah, nom de Dieu, pardon. Oh, il y a un gros mot, je vais être démonétisée. Je ne suis pas monétisée. Donc, j'ai pris un crayon à lèvres éclat en couleur rose sorbet. Qui me paraît très joli, il est fermé pour l'instant. Je n'en ai pas encore besoin, donc je le garde dans un coin. Voilà. Ah, s'il était dans la... Ben, si la porte est fermée... Faut que je te parle. Oui, ben ça attendra 2 minutes. Il n'a même pas dit bonjour, malotru. Ah ouais, non, c'est important. Oui, ben j'arrive, j'ai fini. Bon, ben sur ce, je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, salut, salut.